que sont-ils devenus? Le Forum des anciens élèves des centres professionnels de formation agro-pastorale est une occasion idoine de présenter ce que sont devenus les anciens élèves, mais également les structures qui les accompagnent. Le diocèse de Maroua-Mokolo, structure qui porte le programme de formation, est situé à l'extrême nord Cameroun. Il couvre trois départements, le Mayo-Sava, le Diamaré et le Mayo-Tanaga. La pastorale du développement fait partie intégrante de ses activités à travers le CDD. Parmi ses axes principaux de développement, la formation des jeunes occupe une place prépondérante. FA Plus de Mokolo et IFER de Koza sont des illustrations vivantes de leurs actions sur le terrain. Ils forment les jeunes à devenir des entrepreneurs ruraux à l'exemple de leurs encadreurs. Les cycles de formation y sont respectivement de 2 et 4 ans. La formation est sanctionnée par le certificat de qualification professionnelle CQP ou le certificat d'aptitude professionnelle CAP agricole. Depuis 2016, ces centres ont lancé 3 cuvées dans le monde agro-pastoral et les résultats ne se sont pas fait attendre. Koyan Daniel de Kosehone est de la première promotion de l'IFER. Il fait dans l'élevage des bœufs, des petits ruminants et des porcs. Il compte à son actif 13 bœufs, y compris ses veaux venus augmenter le troupeau le jour du tournage de ses films. Il mène également des activités agricoles, parmi lesquelles ses vergers qu'il entretient avec beaucoup de précautions. Tout à côté de lui, il y a Koji Jean, ancien de l'EFA Plus de Mokolo, qui a transformé son domicile en laboratoire. Si Koji est plus connu grâce à l'agriculture écologique et la production de pesticides à base de plantes, il fait également l'engraissement des poulets de chair qui pèsent généralement entre 10 et 15 kg. D'autres anciens élèves du village Aïssa Ardé, sortis de l'IFER, se sont investis dans l'élevage des petits ruminants. C'est le cas de l'imam qui consacre une bonne partie de son temps dans l'entretien de ses moutons. Pour se démarquer des autres membres de sa communauté, il tient un cahier de suivi qui est mis régulièrement à jour. Son voisin, Maurice, ne se laisse pas faire. La majeure partie de son temps est réservée à son projet d'éleveur. Ainsi, au courant de la journée, il doit parcourir des distances pour trouver des herbes fraîches. Quant à Isaac, qui continue ses études en seconde au lycée de Aïssardé, l'amour pour l'élevage développé à l'IFER ne peut en aucun cas être estompé, nous déclare-t-il. En effet, il engraisse 2 jolis béliers qui lui permettront la prise en charge de sa scolarité. Son voisin, Abba Maloum, sorti aussi en juin 2018, n'a pas baissé les bras. Il vient juste de démarrer son projet d'élevage de moutons. Il a déjà pris les dispositions pour rassembler les fans nécessaires pour ce projet qui lui tient à cœur. Les filles également ne font pas dans la dentelle. Hawa, de Hula Pargaroua, sortie de l'IFER en 2016, fait la curiosité de ses pairs. Son projet d'élevage très florissant lui permet d'être une demoiselle assise et autonome. Son quotidien est constitué du suivi de son cheptel qui la rend d'ailleurs très fière. Quant à Djaouda, de Gousda Parkoza, malgré son instabilité familiale, cette dame se trouve la possibilité de s'investir dans l'élevage des petits ruminants et elle n'en regrette pas. En dehors
Des activités intenses d'élevage menées par certains jeunes, il y a également l'agriculture et particulièrement les cultures maraîchères. Dans les bas-fonds de Mesquine, deux jeunes s'illustrent par la qualité de leurs exploitations. Abakar Ndoudey, en plus de l'élevage, cultive des oignons, des carottes et met à la disposition des populations des pépinières. Déjà, il encadre des stagiaires en formation à l'IFER et à IFA+. Ces jeunes sont très satisfaits de son encadrement. Kajaya, qui n'est pas loin de là, fait aussi dans la culture des carottes. Pour démultiplier ses connaissances, il encadre une association de jeunes dans sa localité. Il entend mieux développer sa petite entreprise en épargnant régulièrement au CSC de Maroua. Au nord de Mesquine, principalement à Godola, habite Paul Babou. Maraîcher très ambitieux, il concentre tous ses efforts dans son exploitation. Il doit porter le matériel agricole sur sa tête pour entretenir ses champs d'oignons, de tomates, de la morelle noire et du foléré. Le brave Babou met en pratique l'utilisation des fumiers et autres intrants naturels pour maximiser sa production. Tel qu'initié par ses formateurs qui en sont expérimentés. À Salak, le jeune Tanzoui a investi les terrains fertiles pour la culture de sorgho SS du Caral. Près de 2 hectares lui appartiennent et les résultats y sont florissants. Hors du Diamari, dans le Mayokani, Bel Bara se professionnalise dans la culture maraîchère et l'élevage. Ses activités attirent tant de curieux. Pour marquer la différence, il clave Fadao, ancien de l'IFER, qui avait écrit un projet sur la boucherie moderne au village d'Ouroum, a réalisé son rêve en plus de la poursuite de ses études après son BPC obtenu à l'IFER. La comparaison sur la qualité de son comptoir avec ses concurrents est visible, ce qui lui permet d'attirer la clientèle. En dehors des exploitations personnelles des jeunes qui sont orientés vers l'auto-emploi, d'autres jeunes, après leur formation, ont pu obtenir des jobs. Lamoué, ancien de l'IFER, officie en maître dans cette ferme avicole située à Gaclé, à une dizaine de kilomètres de Maroua. Il encadre, grâce à son expertise, des jeunes élèves stagiaires. Ce travail, visiblement, lui apporte satisfaction. Vagana, de l'EFA+, est allé se chercher à Bertois. Depuis qu'il est dans cette ferme comme employé, elle prospère à merveille. Beaucoup d'anciens élèves qui ont également des activités génératrices de revenus n'ont pas pu être visités pendant le tournage, mais l'exposition pendant ce forum montre que chacun essaie de faire quelque chose. Les activités des jeunes font la fierté du CDD qui ne ménage aucun effort pour le suivi des formations. Le secrétaire général, par ses descentes régulières, galvanise les formateurs dans leur travail. L'Institut européen de coopération et de développement, en plus de son soutien financier, apporte au CDD et à ses centres de formation une assistance technique qui leur permet de dispenser une formation de qualité. Enfin, via Don Bosco, le principal soutien financier de ces centres a permis à l'EFA et IFER de s'y doter des infrastructures dignes de ce nom.